que je viens d'arriver à Ubud. Là, je m'en vais à la Monkey Forest parce que je ne pouvais pas check-in avant 2h cet après-midi à l'auberge. Elle m'a dit que je pouvais chiller sur le bord de la piscine. Fait que j'en ai profité, j'ai pris un petit hamburger. J'ai mangé un peu. Là, bon, on va aller voir les petits monkeys. Je viens de passer à côté d'un truc de premiers soins. Je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup d'escaliers et que le monde peut se péter à gueule, ou c'est à cause des singes qui peuvent attaquer, mais we'll see. C'est vraiment touristique, je pensais pas qu'il y avait autant de gens, mais c'est immense, comme une espèce de temple avec plein d'affaires pour eux, c'est vraiment cool. Il y a des singes partout. Que... Hi buddy. C'est vraiment nice. Donc là, les petits singes, ils m'ont donné le goût d'aller me baigner. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais retourner à l'auberge et je vais aller me baigner. De toute façon, pour cet après-midi, là, il y a une fille à m'inviter. Enfin, il y a une autre auberge puis une autre auberge qui font un gros barbecue. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais aller faire ça. Demain matin, par contre, on va aller à Tegalalan Rice. Donc, je vais me lever quand même assez tôt. Sinon, c'est sûr, ici, c'était vraiment cool. Mais il était un petit peu moins... il attaquait un peu moins que quand on était au temple. J'ai vu des lunettes se faire voler et tout. Tandis qu'ici, un pot d'Aloise. Qu'un gars s'est fait prendre. Puis moi, il y en a un qui est monté sur mon sac à dos. J'ai réussi à le filmer avec mon cellulaire, je vais vous montrer ça. Puis sinon, c'est pas mal ça. C'était vraiment beau, par contre, le temple est vraiment, vraiment beau. Mais là, j'ai chaud, donc on s'en va se baigner. Pardon, messieurs. Finalement, je change mon plan. Là, il y a un gars que j'ai rencontré hier, au Mesh, qui allait avec du monde de son hostel à une chute d'eau. Donc, j'ai décidé d'aller rejoindre, faire des petites vidéos là, puis juste enjoy, profiter un peu là. Ça va être ça. Là, je suis arrivé, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble, je vais vous montrer ça. Alright! Donc, on est avec Umesh. Donc, là, on est allé au waterfall. On est avec des gens de son hostel. Il y a des gens du mien aussi. So, on se fait plaisir, on prend des petites photos. Here we go. Ok, bon matin. Donc hier, après être allé à la waterfall avec Umesh et notre gang, j'ai pas vraiment filmé après ça. On s'est fait du fun, on a été se baigner. On était à une deuxième chute d'eau. C'était vraiment, vraiment cool. Puis après ça, ben, il a fallu que je retourne à l'hôpital. Parce que mon pied, ben, il s'est infecté. Il y avait du pus qui sortait de partout. Je suis retourné à l'hôpital, mais à Ubud cette fois. Puis là, ben, finalement, il a fallu qu'elle m'opère. Fait qu'elle m'ouvre le pied pour vérifier que... Hi! Hi! How are you, Fred? Good, and you? Good, where are you from? Canada! Canada, yeah. Nice country! I stay in Ubud. First time in Bali. I'm sorry, what's your name? Guillaume. When your man, you see the building, yeah? Yeah. And then the left, and then good for riding motorbike, car to ride field. Okay, so 3 days, the rice is drying. Yeah. Okay. Cool.
donc là, finalement, j'ai pas eu le temps de vlogger hier parce que je me suis attrapé par un guide. J'ai été au Rice Terrace avec lui, c'est vraiment cool. Fait que vous avez vu d'Anoué tout ce qu'il y avait à voir. Là, aujourd'hui, on est au Ubud Market. Here's Gabriel. On est aussi avec son ami Jonathan. Puis d'autres gens de l'hostel. Fait que c'est vraiment cool. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Switzerland boy. Il y a de la Suisse. Donc, ben, la partie qui parle un petit peu plus allemand, un peu. Fait que, mais ils comprennent un peu français. C'est vraiment cool. Yeah, he did understand. So, we're heading to. What is it called? Claudia. Where are we heading? To the temple. To the temple? Yeah. Oh. Oh, so bad. Alright, so. On va aller là-bas puis prendre une autre vidéo là-bas. So, are we lost, guys? Kinda. Yeah? And whose fault is it? My iPhone. Your iPhone fault. Oh, yeah, right. Okay, okay. Guten Morgen. Welcome to my vlog. The channel name is Ubud Gang. We're out of gas. Can somebody bring us some? Let's get this party started. Round two. Fight. So lovely. I like it a lot. Oh, here comes the camera crew. Alright, on s'est arrêté sur le bord de la route après la waterfall qui était juste magique. Là, ben, c'est juste trop beau là, on est en train de prendre des photos, faire un petit photo shoot pour tout le monde. Et après ça, on s'en va à la Sunset Trail. Hello! Donc, ça, on s'en va faire des photos puis juste voir le sunset. Pas le sunset, mais le... Yeah, sunset! Je retourne à l'hôpital aussi après pour mon pied, juste voir, là, j'avais un deuxième rendez-vous pour être sûr que ça s'est pas réinfecté et tout est correct. Should be good. C'est bon, ça? Let's go. Petit wrap-up, parce que dans les deux derniers jours, c'est passé beaucoup de choses, mais j'ai pas vraiment vlogué. J'ai probablement juste 4 abonnés sur ma chaîne YouTube, mais c'est ça, c'est à vous 4 que je vais parler. Voilà. La fois que je me suis fait interrompre par le petit monsieur qui a fini par être mon guide, dans le fond, il m'a amené à plein de trucs un peu locales, puis j'ai vraiment passé une belle journée, c'était cool, j'étais tout seul de mon côté. Le lendemain, on a décidé de tout aller ensemble au Ubud Market. On a fait un petit temple aussi qui était comme à 5 minutes de marche. Ensuite, on est allé à Nyong Nyong Waterfall, plus belle route que j'ai faite de toute ma vie. Une heure en scooter, sur le bord des terrasses de riz, les palmiers. C'était juste la plus belle ride que j'ai faite dans toute ma vie, tout confondu.
Rendu là-bas, on s'est amusé, là, on a pris des photos, on a niaisé. Les gars ont commencé à vlogger un peu avec ma caméra 360. Après ça, on est revenu. C'était juste fou, là, avec une espèce de début du sunset. On s'est arrêté prendre des photos. On est rentré à l'auberge, ça a été pas mal ça. Moi, je suis retourné à l'hôpital, ils ont changé mon bandage. Tout va bien pour l'instant. Là, la plaie est encore ouverte un petit peu, mais ça devrait être bon pour nous soigner là. Aujourd'hui, par contre, j'ai décidé de partir par moi-même. Je suis allé au Tirtha Impul Temple. Sinon, c'est ça. Après ça, à 1h cet après-midi, j'ai mon rendez-vous avec Agun Silver pour aller faire ma propre bague. Parce que celle-là, je l'ai achetée il y a longtemps, puis elle me fait chier, je la trouve vraiment pas belle. Si j'ai le temps, aller vite voir un autre waterfall. Techniquement, t'es supposé arriver là avant 11h, sinon il y a trop de touristes. Puis c'est la façon que c'est fait, le soleil est supposé comme plomber dans l'espèce de cave, dans la cave, grotte. Mon cerveau, je suis vraiment désolé, il a tout mélangé là, parce que je passe mon temps à essayer de vous parler en français, mais je passe mon temps à parler en anglais à tout le monde. Fait que sorry, désolé pour ça. Ça va être pas mal ma dernière soirée ici à Ubud. Demain matin, je pars vers Nusa Penida. Je vlog pas tant que ça, je sais pas si à quoi vont ressembler les vlogs, si ça va être trop, si ça sera pas assez. J'essaie d'en profiter aussi, tu sais, les soirs, j'éteins la caméra puis je me laisse aller. Je sais pas trop quoi dire de plus. Ça va être ça, je vais continuer à visiter le village, aller voir Agun, puis ça va être ça pour la journée. Yeah! Pour Nusa Penida. Ok, ça va être la fin du vlog de Ubud. Prochain épisode à Nusa Penida. On a comme un espèce de gros speedboat. Ben, on va voir ça va être quoi là-dedans. Sinon, c'est pas mal ça. C'est la fin d'une étape à Ubud. C'était vraiment insane. Et là, direction Nusa Penida. Ce qui nous attend, ça va être des. Ce qui nous attend, ça va être des plages, des grosses cliffs. Peut-être de la plongée avec des Raymanta à suivre. Donc, ça va pas mal ça. On se voit à Nusa Penida.